Ouais, allez, on va commencer tout doucement. On va commencer. Donc déjà, merci à tous d'être présents. On va se présenter comme ça, au moins le temps que tout le monde arrive, ça va le faire. Donc je m'appelle Alexandre. Donc, pour ceux qui j'ai pas déjà parlé auparavant, donc je travaille à GoStudy depuis bientôt un an. J'ai fait un an de PVT grâce à l'agence, grâce à Perrine qui était notamment ma conseillère. Et donc c'est aussi avec Perrine que je vais présenter ce webinaire. Bon, voilà, mais moi pour j'ai certaines personnes du coup qui me connaissent, je reconnais quelques noms et prénoms. Donc moi je m'appelle Perrine, je travaille chez GoStudy Australia depuis bientôt 7 ans. Je suis moi-même déjà partie en Working Holiday Visa. Il y a un petit moment déjà, j'étais censée partir pendant 6 mois. Finalement, j'ai fait 2 ans en Australie. Donc voilà, on va vous présenter aujourd'hui l'Australie et plus spécifiquement le Working Holiday Visa. Donc le webinaire est enregistré pour info. Absolument. Donc vous pourrez retrouver du coup le webinaire plus tard sur YouTube. Et si vous avez des questions pendant la présa, vous pouvez écrire dans le chat. On a notre super collègue Elvire qui est en backstage qui pourra répondre à vos questions. Et à la fin de la présa, on pourra avoir un échange. On pourra avoir un échange si vous le souhaitez, s'il y a des choses qui sont pas claires ou autres. Et après, dans tous les cas, normalement, vous avez dû recevoir un message de Alexandre ou de moi-même. Donc, si jamais vous avez des questions, même demain ou la semaine prochaine, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, les présentations sont faites. On va commencer. On va regarder un petit peu donc le programme de cette présentation. On va vous présenter voilà, le Working Holiday Visa, quel papier vous faudra et quel papier vous faudra surtout en Australie. On va détailler vite fait en résumé les différentes destinations, en tout cas celles qui sont les plus connues. On va vous parler du logement, du travail. Je sais que c'est des thématiques qui sont très recherchées. Et on va aussi vous parler des cours d'anglais. Et à la fin, on fera une présentation de l'agence. Et comme vous l'a dit Perrine, on finira cette présentation avec vos questions. On essaiera de répondre au maximum à vos questions. Si tout le monde est prêt, on va commencer avec le Working Holiday Visa. Perrine, à toi. Alors, le Working Holiday Visa, ce visa qui est fabuleux, qui permet de voyager en Australie et de pouvoir travailler en temps plein et de pouvoir aussi prendre des cours de langue. Donc, le Working Holiday Visa, c'est un visa qui est super, qui permet de faire plein de choses en Australie. À la base, c'est un visa qui dure un an, que vous pouvez renouveler jusqu'à 2 fois. Si la première année, vous faites 88 jours dans le secteur primaire dans une régionale area, vous pouvez avoir un second Working Holiday Visa. Si la seconde année, vous faites 6 mois, pareil, dans une régionale area et dans le secteur primaire, vous pouvez avoir un troisième Working Holiday Visa. Mais à la base, c'est un visa de un an. Vous pouvez l'avoir entre 18 et 35 ans seulement. C'est un visa qui coûte 510 dollars australiens. Vous comptez à peu près 3. Entre 330 et 340 euros. Une des contraintes, en fait, c'est que vous pouvez travailler seulement 6 mois pour le même employeur. Alors, moi, je dis souvent que c'est une contrainte sans trop l'être, parce que le but de ce visa, c'est vraiment d'avoir un maximum, de visiter cet immense pays où il y a plein de choses à voir, d'enchaîner différents boulots, différentes expériences. Voilà, c'est vraiment un visa qui est super. Il n'y a pas toutes les nationalités qui ont accès à ce visa-là. Nous, les Français, on est assez, assez chanceux. Même en Europe, hein, par exemple, les Espagnols, les Portugais, les Suisses, ils n'ont pas accès à ce visa-là. Alors, au niveau du projet, nous, on conseille de partir sur 6 mois minimum. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un visa qui dure à la base un an. Donc, on a des personnes qui nous appellent et qui veulent partir, par exemple, pendant l'été, pendant 2, 3 mois. Mais plus tard, ils s'en mordent les doigts, en fait, parce qu'on ne peut l'avoir qu'une seule fois dans sa vie. Donc, ça permet de voyager, travailler et aussi d'apprendre l'anglais. Donc, au niveau du Working Holiday Visa, on peut étudier pendant 17 semaines maximum. Si vous voulez faire plus de temps d'études, il faudra passer sur un autre type de visa, sur un visa étudiant. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler du Working Holiday Visa. Donc, pour les cours d'anglais, Alex va vous en dire un petit peu plus. Oui, les cours d'anglais, donc on verra ça juste Plus après. tard dans la présentation.
Ouais, là, on va passer. Donc, le working holiday, le plus important, c'est surtout les papiers. Donc, le plus important, c'est le passeport. Clairement, c'est le sésame qu'il va vous falloir pour faire le visa. Donc, faire bien attention à la date de péremption. Voilà, si jamais, il faudra le refaire avant et surtout ne pas le perdre, que ce soit avant ou que ce soit pendant. Dans tous les cas, c'est vraiment le sésame super important à avoir. À bien noter, pour ceux qui ont le permis, vous pouvez, si vous souhaitez louer une voiture, en tout cas conduire en Australie, que ce soit pour un road trip ou pour le travail, hein, vous pouvez faire une demande de permis international. Donc c'est une demande qui se fait gratuitement sur le site de l'ANTS. Comptez 2 à 3 mois de délai pour le recevoir. Alors, si je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui ont un projet et qui ont peut-être fait un nom, qui ne l'ont pas fait et qui vont partir le mois prochain, vous avez différentes options. Vous pouvez soit faire ce qu'on appelle une traduction certifiée du permis. Donc ça, ce sont des personnes qui le font. On pourra vous donner le contact. Ou alors, sur place, vous avez la possibilité de demander un équivalent australien de votre permis. Alors ça, c'est plutôt pas mal parce que moi, ça vous donne une pièce d'identité sur place. Ça vous évite d'avoir votre passeport à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Donc c'est plutôt une bonne idée. Pour revenir rapidement sur le visa, comme a dit Perrine, juste en termes de papier. Alors, le visa n'est pas physique en Australie, c'est juste un PDF que vous avez pour dire qu'il a été validé. En fait, le visa est relié directement à votre passeport. Donc, en fait, quand vous allez passer la douane en scannant le passeport, la douane va voir qu'il est relié à un visa que c'est validé. Vous avez l'autorisation de rentrer sur le sol australien. Concernant l'assurance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Australie, tout ce qui est carte vitale, mutuelle française ne va pas fonctionner. Alors, ce n'est pas obligatoire d'avoir une assurance en Australie. Clairement, rien ne vous y oblige. Mais je vous le recommande fortement, étant donné que eh ben, vous allez tout payer. À titre d'info, une radio, c'est 80 dollars. Moi, j'ai failli finir aux urgences un dimanche soir avec des épines d'oursin dans les pieds. Ça a failli coûter 500 dollars les affaires. Donc, je ne peux que vous conseiller, en tout cas, d'avoir une assurance. C'est super important. En parlant d'argent, on peut penser qu'au compte en banque. Si vous souhaitez travailler en Australie, tout ce qui va être système bancaire australien est totalement différent du système bancaire français. Donc, si vous souhaitez voilà, recevoir, si vous souhaitez être payé et avoir voilà, que votre employeur puisse vous virer votre argent, il faut absolument que vous fassiez l'ouverture d'un compte en banque sur place. Super important. De même, si vous souhaitez travailler, prenez une carte SIM avec un numéro australien. La carte SIM, au moins vous en trouvez. Nous, on pourra aussi vous aider là-dessus. Mais super important. De toute façon, l'employeur va appeler un numéro australien. Il ne va pas s'embêter à faire un plus 33. Concernant les vols également, donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites le visa, une fois que votre visa est validé, déjà, c'est à ce moment-là où moi, je vous conseille de prendre votre billet d'avion, premièrement. Et ensuite, vous avez le droit de prendre uniquement l'aller. Vous êtes autorisé de faire ça. Vous pouvez aussi prendre un aller avec un retour modifiable, mais ça, il faut voir avec la compagnie aérienne. J'ai juste une question par rapport au prix de l'assurance. Nous, avec chacun, on est aux alentours de 400. Eux, ils font 400 euros l'année. On aura le temps d'en reparler après par rapport à ça. Donc, on vient de finir. Voilà, tout ce côté administratif. Maintenant, on va voir les différentes destinations en Australie. Alors, les différentes destinations en Australie. Nous, on va vous parler avec Alex de Brisbane, Gold Coast, Sydney, Melbourne et Perth. C'est les 5 grandes villes, du coup, australiennes. C'est sûrement dans une de ces villes où vous allez atterrir. Alors, je sais que c'est une grande question qu'on a tous quand on veut partir en Australie. Ouais, mais dans quelle ville arriver? C'est un peu flippant, mais en fait, le Working Holiday Visa, comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un visa qui vous permet de faire ce que vous voulez pendant un an. Donc, imaginons que vous décidez d'arriver à Sydney. Et au final, Sydney, vous n'avez pas trop le feeling et que vous voulez bouger sur Melbourne ou Perth, vous le pouvez. En fait, vous n'êtes pas obligé de rester sur une seule et même ville. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on vous conseille, c'est d'en voir un maximum. Après, petit chiffre, l'Australie, c'est un des pays les plus agréables au monde. Il est dans le top 10. C'est la troisième destination la plus populaire pour une expérience à l'étranger. Et nous, avec Alex, on comprend pourquoi. Du coup, on va commencer avec la première destination qui est Sydney. Alors, pour moi, Sydney, ça reste la grosse ville australienne, toujours en ébullition. On ne peut pas s'ennuyer, en fait, à Sydney. Ça me fait un peu penser à Paris. C'est toujours vraiment à 1000 à l'heure.
Il y a de superbes plages dont Bondi Beach qu'on voit très souvent sur les photos et sur les cartes postales. Il y a un bel équilibre en fait entre l'urbanisme et la nature à Sydney. C'est vraiment la ville emblématique en fait de l'Australie avec son Harbour Bridge, avec l'Opera House. Moi, ce que j'en pense vraiment personnellement, c'est que dans tous les cas, il faut passer par Sydney, que ce soit pour un week-end, que ce soit pour y vivre, travailler, que ce soit pour prendre des cours, il faut passer par Sydney parce que ça reste la grosse ville australienne. Le petit point négatif, c'est que c'est la ville qui reste quand même la plus chère en Australie. Voilà. C'est un incontournable. Ça reste la ville incontournable de l'Australie, quoi. Surtout pour le Nouvel An, d'ailleurs. Nouvel An, il faut, si vous avez la chance d'être en Australie pour le Nouvel An, il y a un énorme feu d'artifice. Voilà, c'est un superbe endroit pour passer le Nouvel An. Il faut s'y prendre à l'avance. Ça coûte très, très cher. Il faut s'y prendre à les moments. Et il y a beaucoup de monde. Ouais, beaucoup, beaucoup. Après Sydney, la deuxième plus grosse ville d'Australie, ça va être Melbourne. Alors, à titre perso, c'est une de mes villes préférées. C'est là, moi je passais beaucoup de temps à Melbourne. C'est une ville super agréable. C'est vraiment une capitale culturelle. C'est aussi capitale de la mode, de la gastronomie. Beaucoup de sites culturels. Vous allez voir, c'est très, très riche en termes d'histoire. En photo, c'est une des plus vieilles gares d'Australie que vous voyez, Flinders Street. Voilà, c'est une ville qui est super dynamique. En plus, vous avez au milieu, vous avez le tramway dans le CBD qui est totalement gratuit, donc vous pouvez circuler comme vous voulez. Beaucoup de cafés, donc voilà, ça permet aussi d'avoir pas mal de boulot. Donc beaucoup de cafés, pas mal de musées, tout ce qui est beaucoup de festivals aussi, des événements sportifs. Je pense à l'Open d'Australie. Voilà, il y a beaucoup d'activités par rapport à ça. L'un des rares points négatifs, en tout cas, qu'on peut donner à Melbourne, c'est qu'on dit que c'est la ville aux quatre saisons. Donc, pour donner une petite histoire, vous pouvez être sur la plage, il fait 32 degrés, on est bien, il fait beau, vous rentrez dans un bar, vous ressortez, il pleut, et il fait 15 degrés. C'est malheureusement vrai. Donc, en fait, à chaque fois, il faut avoir dans son sac une crème solaire, un maillot de bain, une doudoune et puis un parapluie. C'est Melbourne, faut pas chercher, c'est comme ça. Mais sinon, c'est une ville super agréable. Voilà, je recommande même à y passer, vous allez voir, il y a une atmosphère qui est vraiment unique. Et juste après, on a aussi Brisbane. Donc, Brisbane, vous voyez sur la carte, c'est un peu plus haut, vraiment sur la côte est. Donc, voilà, en termes, il fait beau toute l'année. Franchement, moi, j'étais en hiver là-bas. Voilà, l'hiver, c'est un hiver à 15 degrés. On ne va pas dire qu'on a vraiment très, très froid. En tout cas, Brisbane, donc, c'est une plus petite ville. Ça reste la troisième ville, mais plus petite ville avec plusieurs quartiers caractéristiques comme Fortitude Valley. C'est une ville qui est en plein boom. Elle va accueillir les JO prochainement. Donc là, il y a pas mal, ils sont en train de construire des ponts, ils sont en train de faire plein d'aménagements. Donc voilà, c'est toujours en renouveau. Elle est en train elle est vraiment en expansion. Il y a beaucoup d'étudiants qui y vont. Et voilà, c'est super agréable à vivre. En plus, vous voyez, donc la photo que vous avez en bas à droite, c'est un lagon que vous avez en plein milieu de la ville. Donc clairement, moi, ce que je faisais, c'est qu'après les cours, j'allais au lagon, je faisais mes devoirs. Et puis après, j'allais piquer une petite tête. Voilà, en plus, c'était surveillé jusqu'à minuit. Donc parfait. Donc, super ville, voilà, c'est une petite ville, c'est un peu moins cher que Sydney et Melbourne, très, très agréable. Voilà, je recommande aussi. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'après, à côté, si vous prenez le train, donc si vous allez après au nord, vous allez aller sur la Sunshine Coast. Si vous allez au sud, vous allez pouvoir aller sur la Gold Coast. Alors, justement, la Gold Coast, on la compare souvent au petit Miami australien parce que, comme on peut voir sur les photos, c'est de grands buildings au bord d'une grande plage. Il y a plus de 70 km de plage. Il y a des réserves naturelles magnifiques qui sont très proches de la Gold Coast. C'est un style de vie assez fun, assez surf. Il fait bon vivre sur la Gold Coast. Après, ça reste assez touristique, surtout Surfer Paradise qui est en plein centre en fait de la Gold Coast, et c'est aussi très très étudiant. Voilà, donc c'est une ville assez touristique, mais c'est pas mal pour y étudier, passer du bon temps. Après on a Perth. Donc Perth, je ne sais pas si vous situez toutes les autres villes en Australie, mais Perth, c'est vraiment la seule grosse ville qui est
excentrée sur la côte ouest de l'Australie. C'est une ambiance qui est assez décontractée à Perth. On a une grosse culture aborigène. C'est plus présent du coup que sur la côte est. C'est une ville qui est aussi étudiante, assez culturelle. Il y a des endroits qui sont préservés, notamment Rottnest Island. Je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur Google. C'est une petite île magnifique qui est du coup au large de Perth. Quand on remonte du coup la côte jusqu'à Darwin, du coup c'est la côte ouest qui est beaucoup plus sauvage que la côte est. C'est vraiment une autre ambiance et autre chose. Ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Après, voilà, le petit point négatif, comme je disais, c'est que c'est excentré en fait de la côte ouest. Après, il y a quand même beaucoup de vols internes en Australie, c'est possible de rejoindre Sydney très rapidement ou Melbourne très rapidement quand même avec des vols internes. Voilà pour les villes. Et donc, on a parlé des villes. Dans ces villes, il faudra se loger. Donc, ça, c'est un point assez important qu'on nous demande beaucoup. Donc, vous allez avoir à peu près toujours les mêmes types de logements, des logements partagés dans ces villes. Ce sont des grosses villes qui bougent beaucoup. Il y a souvent beaucoup de monde. Donc, la solution, on va dire, la plus pratique, la plus simple qui va se présenter devant vous, ça va être surtout l'auberge de jeunesse. Les auberges de jeunesse, il y en a partout en Australie, que ce soit dans les villes ou dans les campagnes. Il y en a vraiment pas mal. C'est vraiment un moyen simple de se loger, plutôt temporaire. Alors moi, je pense plutôt à ceux qui, voilà, qui à la limite veulent arriver. L'idée, souvent, d'arriver, vous prenez une auberge de jeunesse sur 1 ou 2 semaines, par exemple. Voilà, le temps de vous familiariser à la ville et après de trouver, par exemple, une colocation. Alors, je reviens juste aux auberges de jeunesse. Faut faire attention, c'est des logements, des chambres de 4 à 10 personnes, voire un peu plus pour certaines auberges. Vous avez après tout le reste qui est partagé. C'est une expérience, moi j'en ai fait pas mal, hein, honnêtement, on voit un peu de tout. Voilà, il y a pas mal de nationalités, ça permet de rencontrer un peu du monde. C'est sympa, c'est plutôt sympa, mais après, on va dire que vous n'avez pas le côté confortable, quoi. Voilà, c'est un peu ça ce qui manque, mais ça se fait. Donc Après, après, vous Alex, pouvez. Ouais, pardon, vas-y. je te coupe. Vas-y. Juste, ça me fait penser quand je suis arrivée moi en Australie, en auberge de jeunesse, comme tu disais, on était 6 dans la chambre. On était 6 dans la chambre et je me suis dit, OK, je vais faire 3 nuits là et c'est terminé, je cherche une colocation. Et au final, pendant un an, j'ai voyagé qu'en auberge de jeunesse. Parce que comme tu disais, Alex, en fait, t'as pas beaucoup de confort, mais quand tu vas en Australie, tu sors vraiment en fait de ta zone de confort, quoi. Tu sors de ta zone de confort et tu fais des choses que tu pensais pas capable. Et en fait, pendant un an, j'ai dormi avec minimum 6 personnes dans la même chambre que moi. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que comme ça, quand on vous en parle, ben, se dire qu'on 6 dans la chambre, 8 dans la chambre, avec des bunk beds, des lits superposés, tu te dis ça fait pas rêver. Et en fait, quand tu es là-bas, au final, tu t'y fais quoi. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, mais t'as raison. Moi, j'ai fait aussi beaucoup d'auberges comme toi, en fait. Moi, j'ai eu à peu près le même principe. J'ai fait pas mal d'auberges et après, j'ai trouvé une colocation. Donc, tu vois, je rejoins un peu ce que tu disais, quoi. C'est que, voilà, la colocation, c'est vraiment un très bon moyen de. Bah, c'est la même chose, c'est juste d'avoir ce côté confort, finalement. Vous avez des. Alors, moi, j'ai trouvé par du bouche à oreille et j'avais des potes qui y étaient, qui partaient. Vous avez aussi un site internet qui s'appelle Flatmate, qui vous permet de mettre en relation différentes colocations. Et voilà, parfois, on me pose la question, est-ce que c'est possible de trouver les colocs avant? Ça se peut, mais en général, c'est mieux d'être sur place. Tandis comment vous visitez l'appart et vous, surtout, vous parlez avec les colocs, voir un peu comment ils vivent. Je ne sais pas, il y en a qui ont plus d'appétence pour certaines choses que d'autres. Donc, voilà. C'est un peu l'idée par rapport à ça. Après, il existe aussi des résidences étudiantes pour ceux qui voudraient, voilà, qui partent, qui feraient des études. Donc, des résidences étudiantes, généralement, soit c'est des colocations, pareil, vous avez votre chambre où la chambre est partagée. Il existe aussi des résidences où ce sont des petits studios. Et vous pouvez aussi également avoir des familles d'accueil. Donc, la famille d'accueil, c'est plutôt sympa pour vraiment s'imprégner de la culture australienne, pour bien améliorer son anglais, parce qu'on sait que les personnes sont, enfin, c'est des locaux. Après, il faut faire attention, parce que, genre, les familles d'accueil sont plutôt à 45 minutes, 1 heure du centre-ville. Donc, voilà, il faut vraiment faire attention à ça, mais c'est un super bon plan également. À noter que si jamais certains voulaient éventuellement faire un road trip, par exemple, et penser à utiliser un van. Donc, c'est une super solution, c'est une solution économique. Voilà, c'est juste, c'est pas méga adapté à la ville.
Voilà, faut faire attention. Si jamais, pareil, vous achetez un véhicule, que ce soit un van ou juste un véhicule, essayez d'avoir avec vous quelqu'un qui se connaît un peu en mécanique. Voilà, c'est au moins pour que vous soyez sûr là-dessus. Si vous voulez plus d'infos, en tous les cas, voilà, on a fait un article sur notre blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Faut faire très attention avec le logement parce que depuis que les frontières australiennes ont rouvertes, là depuis janvier à peu près, donc depuis que ça a rouvert, l'Australie connaît une pénurie de logements. Donc nous voilà, nous on aide les gens à trouver des logements. C'est vrai que parfois quand c'est, on va pas dire du jour au lendemain, mais quasi, c'est assez compliqué. Vraiment conseil, si jamais vous cherchez un logement par vous-même, ne partez pas sans avoir un logement. Franchement, réservez votre logement avant le départ, c'est super, super, super important. Ça part très, très vite. Voilà, donc aussi, il ne faut pas hésiter, si on est dans une ville, à peut-être s'excentrer un petit peu plus aussi pour avoir plus de chances de trouver quelque chose. Donc, super important en tout cas là-dessus, ne partez pas, ayez au moins l'assurance, voilà, et partez aussi avec le logement. Deuxième point important qu'on va aborder, c'est le travail. Le travail en Australie avec le Working Holiday Visa. Alors, déjà, bon, à savoir, au niveau des contrats, il n'y a pas de CDI, CDD comme on a chez nous. C'est plutôt ce qu'on appelle des casual contrats. C'est un peu comparable à de l'intérim chez nous. En fait, vous avez des sortes de missions et à la fin de la mission, ben, on peut vous dire, eh ben, écoute, moi, j'ai plus besoin de toi, ou comme. Toi, tu pourras dire, ah ben voilà, là je décide à la fin du mois, je décide de partir dans une autre ville, donc je ne viens plus au travail. Il n'y a pas vraiment de contrat comme chez nous. Les secteurs hyper recherchés en Australie, en ce moment, ça va être beaucoup dans la livraison, dans la restauration, hôtellerie, les ménages, la construction, il y a aussi du babysitting, la vente, l'agriculture aussi, on va en parler après. Voilà, c'est des secteurs vraiment qui sont recherchés parce que sur le Working Holiday Visa, comme on a vu en début de présentation, c'est des petits boulots saisonniers parce que vous pouvez travailler seulement 6 mois pour le même employeur et que les employeurs savent très bien que c'est un visa qui est temporaire. Au niveau des salaires, vous comptez environ 20 dollars de l'heure. Et bon à savoir aussi, c'est payable à la semaine ou à la quinzaine, comme les logements dont vous parlez Alexandre. Voilà, c'est un petit peu bizarre au départ d'être payé à la semaine et à la quinzaine. Mais moi, personnellement, j'ai trouvé que pour gérer son budget, c'était pas mal. Par rapport au boulot, perso, moi, ce que j'ai fait des ménages dans des hôtels, j'ai été beaucoup serveuse, j'ai distribué des flyers dans la rue parce qu'au départ, mon niveau d'anglais n'était pas top. Je crois qu'Alexandre, toi, tu as fait de la démolition, il me semble. Ouais, j'ai bossé en. J'ai distribué des flyers aussi, figure-toi, à Flinders Ah, je Street. savais pas. mais j'ai fait des fermes et j'ai fait donc ouais, autre ça, donc de la livraison. J'ai fait du Uber Eats. Donc pareil, c'est pas mal pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un bon début à la limite. On peut faire ça. Et après, ouais, beaucoup de construction, démolition. Alors que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout manuel à la base. Hein. Donc voilà, clairement, l'Australie, c'est aussi une occasion pour. Je ne vais pas dire découvrir des métiers, mais en tout cas essayer des choses qu'on n'aurait pas faites avant. Et comme quoi, voilà, l'Australie donne un peu sa chance à tout le monde. Voilà, donc moi j'ai fait, ouais, j'ai fait, c'était même j'ai fait ça un bon moment, quoi. Ça m'a permis de gagner, mettre pas mal d'argent de côté. Alors, pour bosser en Australie, il y a des documents et des certificats qui sont obligatoires. Alors, il y a quelque chose qui est obligatoire pour travailler qui s'appelle le TFN, c'est le Tax File Number. En gros, c'est une sorte de numéro de sécurité sociale que vous pouvez demander seulement en étant sur place en Australie. C'est un numéro que vous allez avoir à vie. Voilà, c'est une démarche à faire quand vous allez arriver sur place. Il y a ce qu'on appelle aussi le ABN, c'est l'Australian Business Number. C'est pour être auto-entrepreneur. Par exemple, si vous voulez faire de la livraison comme Uber Eats, vous aurez besoin de ce numéro. Le RSA, donc c'est un certificat qui vous permettra de travailler dans les établissements qui vendent l'alcool, donc notamment les restos, les bars. Le RCG, donc ça c'est la même chose que le RSA, sauf que c'est pour les jeux de hasard. Donc si vous voulez travailler dans des casinos, par exemple, il vous faudra cette petite certification. La white card. La white card pour travailler du coup dans la construction. Et ensuite, le First Aid et Working with Children Check. Donc ça, c'est pour travailler avec les enfants. Donc
Au niveau de ces certifications, ça se passe directement en Australie. En fait, comment vous expliquer, c'est un petit peu du bon sens. Par exemple, pour le RSA, on va vous expliquer que on ne doit pas vendre de l'alcool à mineur. Quelqu'un qui est trop alcoolisé, pareil, on ne doit pas lui vendre de l'alcool. Pour la white card, ça va être des règles de sécurité. Alex, tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que tu l'as passé ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai passé les deux. Pour la white card, donc c'est beaucoup la sécurité. Comme disait Perrine, c'est entièrement vrai, c'est juste du bon sens. C'est en fait nous mettre en situation, nous dire voilà, vous voyez, j'ai n'importe quoi, quelqu'un par terre, il y a de l'eau, il y a l'électricité, qu'est-ce que vous faites en premier ? Bon, voilà, alors je coupe l'électricité, j'appelle les pompiers, je check le pouls, etc., etc. C'est plein de petites notions de sécurité parce que l'Australie est très à cheval là-dessus, tout ce qui est sécurité, sécurité au travail, vraiment, mais super à cheval. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis en place toutes ces certifications, que ce soit pour l'alcool, pour les jeux de hasard, pour les enfants, la construction. Et c'est vrai que, comme j'expliquais à Perrine hier, moi, je sais que, par exemple, j'avais une évaluation pour la white card. J'avais les différents pictogrammes pour l'extincteur, par exemple, et me dire, tiens, tu as tel pictogramme, ça sert contre quel feu, ou alors à l'inverse, tu as tel feu, vers quel extincteur tu vas t'orienter. C'est assez simple à avoir, mais ils sont vraiment à cheval là-dessus. Le plus important, c'est vraiment la sécurité. Et donc, c'est important d'avoir ça. Mais une fois que vous avez ces certifications, c'est quelque chose. Au moins, dès que vous l'avez, ça roule, quoi. Vous pouvez continuer directement. OK. Donc, pour le travail. Alors, le travail en ferme. On nous pose très souvent la question à savoir si le travail en ferme est obligatoire. Alors attention, non. C'est le job le plus connu pour renouveler son Working Holiday Visa. Comme je vous expliquais en départ de présentation, 88 jours pour faire un second Working Holiday Visa, 6 mois pour valider un troisième Working Holiday Visa. Mais ce n'est pas obligatoire, OK ? D'ailleurs, c'est assez fastidieux. En général, c'est excentré. Enfin, c'est excentré du coup des grosses villes. Hein. Donc, il faut être véhiculé pour se rendre dans les fermes. Il faut faire très attention aux arnaques, notamment par rapport au travail qui est payé au rendement. Moi, je vous conseille de refuser ce type de boulot. Il faut privilégier les boulots qui sont payés à l'heure, OK. Par rapport justement au renouvellement de visa, il faut faire attention parce que il faut que ce soit, comme je disais en début de présentation, en régional area. Il faut checker les codes postaux. Par exemple, je pense notamment à Newcastle qui est juste au-dessus de Sydney. Il y a pas mal de fermes, mais qui ne comptent pas pour le second visa. Par rapport aux tax return et superannuation, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Quand vous allez sortir de l'Australie, vous pourrez récupérer les taxes, les taxes en fait des impôts. Vu que vous sortez du territoire, vous pourrez récupérer ces taxes-là. Et pareil pour la superannuation, vous allez cotiser. Je parle vraiment, vous allez cotiser du coup pour le fonds de retraite et vous pouvez le récupérer en fait vu que vous n'allez pas rester en Australie. Si vous rencontrez un problème avec un employeur, il y a un site du gouvernement, un organisme qui s'appelle le Fair Work. Donc, vous avez le petit lien sur la présentation. Donc, n'hésitez pas à les joindre. Au niveau de nos conseils après par rapport au travail, déjà, cherchez avant le départ. Sincèrement, ça ne sert pas à grand-chose. Pourquoi ? Parce que l'employeur qui reçoit déjà 10 CV directement du coup dans sa boutique ou dans son resto, le petit Français qui est à l'autre bout du monde et qui arrive dans 3 mois, votre CV, il va passer à la trappe. Concrètement, c'est ça. Ce qui fonctionne, c'est le réseau, vraiment le réseau que vous allez pouvoir créer sur place. Votre attitude. Les Australiens, ils marchent vachement au feeling. Petit exemple, quand je suis arrivée sur Melbourne, j'étais avec mes petits CV. Il y a une grande rue à Saint-Kilda avec plein de restaurants. Je distribuais mes CV du coup à tous les restaurants. Et puis au bout d'un moment, je suis tombée sur un des managers de restaurant qui me demande, OK, tu peux commencer quand ? Alors moi, je dis, je peux commencer quand vous voulez. Et là, il me dit, est-ce que tu peux commencer maintenant ? J'ai dit, oui. Donc, j'étais pas du tout prête. Hein. J'étais en mode, je distribuais mes CV. Du coup, il m'a filé un tablier. Hop, j'ai fait un essai.
ça a fonctionné, ok, demain tu es là à 19h, hein, voilà, et j'ai chopé le boulot comme ça. C'est vraiment big smile, montrer qu'on veut bosser, il n'y a que ça qui fonctionne. Et bien sûr, votre niveau d'anglais, ça va dépendre des boulots, mais votre niveau d'anglais, c'est quand même hyper important. Donc, c'est pour ça que nous, on préconise, si vous avez un niveau d'anglais limite, on préconise de prendre des cours d'anglais à votre arrivée en Australie. Voilà, donc comme il disait Pierre, alors moi, j'avoue, j'ai pris des cours d'anglais en arrivant. Perso, j'ai pris 3 mois. Ce qui est génial, c'est que, voilà, j'en parlais juste avant avec un étudiant avant de mettre la réunion en route. C'est que j'avais un étudiant, il était parti au Mexique et il dit on pourra apprendre l'espagnol, c'était top, l'immersion, il n'y a que ça qui marche. Donc, en effet, les cours d'anglais, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous apprenez à l'école, dès que vous ressortez, vous le remettez tout de suite en application. Donc, forcément, votre progression en anglais, elle va être beaucoup plus rapide qu'ici en France. Donc, ce qui est génial avec les écoles en Australie, c'est que vous pouvez faire votre rentrée tout au long de l'année. Ça se fait tous les lundis. C'est leur système des écoles. Leur système est fait comme ça. Donc, vous pouvez faire votre rentrée tous les lundis. Comme on l'a dit au début avec le visa, donc vous avez le droit de prendre jusqu'à maximum 17 semaines de cours, ça fait 4 mois. Et vraiment, c'est un excellent moyen de progresser en anglais. Elles fonctionnent toutes de la même façon. C'est-à-dire que vous avez, les classes sont réparties par niveau. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous allez passer un test d'anglais. Alors, faut pas avoir peur, hein. L'important, c'est justement de savoir votre niveau. Parce qu'après, suivant le résultat, on va vous mettre dans la classe qui correspond à votre niveau d'anglais. Et ça va vous permettre d'éviter de revoir et donc des notions que vous connaissez déjà, donc de perdre du temps, mais au contraire d'approfondir et d'en avoir des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment top. Ensuite, le système australien est fait de telle sorte que les classes sont des classes de 10 à 15 élèves. Donc, en termes de pédagogie, la pédagogie n'est pas la même. Le prof, il est beaucoup plus attentif à votre évolution. Il fait vraiment attention. Autant vous dire que les cours sont pas faits de la même façon. Voilà, moi, j'ai eu des cours, on a beaucoup d'exos en groupe, par deux, des choses où on va à l'extérieur de l'école, on utilise les téléphones, c'est super interactif. C'est vraiment adapté. Donc, ça, c'est vraiment top. En plus de ça, bah forcément, toutes les personnes qui viennent dans ces écoles-là, c'est vous pour apprendre l'anglais. Donc, au final, on arrive à se faire un réseau. Ce sont des gens du monde entier qui viennent pour se remettre à niveau. Donc, on a des personnes qui viennent d'Amérique latine, qui viennent du Japon, de Corée, du Mexique, voilà, d'Europe aussi. Hein. Moi, je me suis fait pas mal de potes italiens, brésiliens. Donc, ça vous permet voilà, de créer une petite communauté, de vous faire un réseau. Parce qu'en général, les gens qui sont là-bas, donc soit sont working holiday ou alors ils sont ici également en visa étudiant. Et donc, généralement, ces personnes-là travaillent. Honnêtement, moi, sur toute la classe, on était 12. Tout le monde travaillait, c'est pas dur. Même moi, après, quand j'ai trouvé un boulot, on travaillait tous. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est aussi l'intérêt, c'est de savoir, ah bah tiens, comment t'as trouvé un boulot? Tu bosses dans quoi? Bah tiens, je bosse dans tel resto. Ah bah tiens, justement, tel resto... vient de, bah, ils ont plus de plongeurs. Ah bah donne-moi ton CV, vas-y, voilà. Comme disait Perrine, il y a aussi le bouche à oreille, ça marche énormément. Donc c'est vraiment l'occasion. Donc ce qui est plutôt bien, c'est que justement ces écoles vous permettent de mêler travail et cours. Parce que vous pouvez, les cours sont en demi-journée. Donc moi, petit exemple, j'allais en cours le matin. Et l'après-midi ou le soir, j'allais au resto. Au début, j'ai fait du Uber Eats. Ensuite, j'allais au restaurant. Donc, vous pouvez tout à fait mêler les deux. Donc, ça, c'est super intéressant. Et après, donc, vous avez différents types de cours. Donc, vous pouvez faire soit de l'anglais général, de l'anglais qui est plus centré sur le business, par exemple. Vous pouvez passer des examens comme le Cambridge, préparer l'IELTS. Et après, il existe des écoles qui proposent, par exemple, des cours d'anglais avec quelque chose à côté. Donc, comme il y a une école qui propose du surf à côté des leçons de surf. Voilà, il y a différents types de cours. Donc, pour ceux qui sont intéressants, on pourra vous aider là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est la meilleure façon de vraiment progresser et de se remettre à niveau en anglais. Donc, pour vous parler un petit peu de ce que nous, on fait. Parce qu'on vous a parlé pas mal de choses sur lesquelles on a dit, tiens, bah, on va vous aider. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, GoStudy, pour vous présenter, donc on est une agence d'éducation spécialisée donc, sur l'accompagnement des gens qui partent en Australie, que ce soit bah, pour voyager, pour étudier, travailler. Donc, généralement, ce sont les trois grosses motivations que les gens ont pour aller en Australie.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on existe. Donc, ça a été créé à Sydney. Et après, des bureaux ont ouvert, donc, que ce soit en France, en Italie, en Espagne, en Amérique latine, voilà, un peu partout sur le globe. Et on a des bureaux en Australie également, donc dans les grosses villes qu'on vous a citées précédemment, donc Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast et Perth. Donc, voilà, ça fait un moment qu'on existe et qu'on est là. Pour expliquer comment se passe notre accompagnement. La première étape, c'est qu'on rentre en contact. Généralement, c'est vous qui nous contactez par rapport à un projet. Comme je dis, en général, c'est beaucoup. Voilà, on veut voyager. J'aimerais bien m'améliorer en anglais. J'ai entendu qu'on gagnait bien sa vie en Australie. Comment je fais pour y aller? Donc, l'idée, c'est de voir avec vous quel est votre projet, trouver le visa approprié. Donc, en général, c'est le Working Holiday, mais certains ne veulent que étudier. Donc, il y a le visa étudiant qui existe, il y a le visa touristique qui existe. Donc, voilà, on va vous aider vraiment à trouver une solution à chacun de vos projets. Et par la suite, eh ben, on s'occupe tout simplement de tout faire quasiment. C'est-à-dire, on fait l'inscription à l'école. On va s'occuper également de faire la demande du visa. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller sur le site d'immigration, c'est nous qui nous chargeons de tout. Pour tout ce qui est billets d'avion, assurance, on a des partenariats. Par exemple, voilà, l'assurance, en passant par nous, on a un 5% de réduction chez chaque cas. On pourra vous aider sur le logement. Je parlais des colocations tout à l'heure, des résidences étudiantes. Qu'est-ce qu'on a également? Des auberges de jeunesse. Et avant votre départ, le truc qui est sympa, c'est qu'on va vous envoyer une carte SIM. L'intérêt de la carte SIM, c'est comment vous l'avez physiquement. Quand vous arrivez en Australie, vous la mettez directement dans votre téléphone et vous aurez déjà votre numéro australien. Donc, ça veut dire que vous pourrez préparer votre CV avant de partir, mettre votre petit numéro australien, le donner aussi à vos amis, comme ça quand vous arrivez, paf, vous pouvez déjà commencer à chercher du travail. On va s'occuper également de faire la préouverture du compte en banque. On va vous envoyer des guides sur le travail, des guides sur comment faire son CV, des guides aussi sur votre ville d'arrivée, parce que chaque ville a ses petites spécificités. Et également, on va vous donner le contact de la personne qui est dans le bureau Go Study, dans la ville dans laquelle vous allez arriver. Donc l'intérêt, c'est de prendre rendez-vous avec le collègue qui est sur place. Donc les collègues. Donc, ils sont dans les différents bureaux que je vous ai cités précédemment. Ça va vraiment, lui, va devenir vraiment votre référent. C'est vraiment lui, si jamais vous avez un souci, voilà. Je prends toujours l'exemple du, bah, tiens, je cherche un médecin, comment on fait? Crac, un petit message WhatsApp, un petit passage au bureau, et vous lui demandez directement. Ils sont là également pour vous aider, que ce soit sur l'administratif, donc comme l'a cité Perrine précédemment, par exemple, pour faire le TFN. Ils vont également faire des job sessions, c'est des ateliers sur la recherche d'emploi. Le job en ferme, vous aider sur le CV, la lettre de motivation. Il faut une newsletter également avec les jobs, les différentes propositions de job qu'ils voient passer. Et ils pourront également vous aider, voilà, tout ce qui est tax return, les certifications. Donc voilà, c'est vraiment un coup de main que vous avez également sur place. Et le petit truc qui est sympa, c'est que les collègues, ils ont un peu de chance. Ils font des activités, des événements, des soirées. Moi, j'ai participé à des soirées barbecue au bord de la plage. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a des collègues, je crois que c'est à Sydney, qui font des surf camps le week-end. Voilà, il y a beaucoup d'événements. Ils postent beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein, si vous voulez aller voir, ouais, n'hésitez pas. Donc, ils font beaucoup de choses. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement avant le départ, vraiment s'occuper de tout ce qui est l'administratif essentiellement, mais également sur place pendant tout le séjour de tout votre séjour en Australie. Et la chose, c'est que si, par exemple, voilà, vous commencez à Sydney, et comme on disait avec Perrine, vous commencez à Sydney et ensuite vous allez à Melbourne, et bien vous allez au bureau de Melbourne. Et puis ensuite, ben vous allez au bureau de Perth si vous passez par Perth, etc., etc., etc. Donc c'est vraiment un accompagnement avant le départ, également sur place pendant toute la durée de votre séjour en Australie. Alors, généralement, ça rassure aussi les parents. Je ne sais pas s'il y a des parents qui sont là, mais ça les rassure également par rapport à ça. Et donc pour ça, donc on a créé différents packages pour vous accompagner. Alors, il vous a très bien résumé du coup tous mes services, Alexandra. Donc, en effet, pour vous résumer un petit peu tout ça, vous avez accès à nos services et vous pouvez rajouter du coup des cours d'anglais parce que comme on vous l'a expliqué précédemment, on est en partenariat avec plus de 300 écoles partenaires à travers toute l'Australie et vous pouvez rajouter en plus un logement en colocation, en auberge de jeunesse. Voilà, alors pour ça, il faudra revenir vers nous pour qu'on puisse vous faire des devis personnalisés selon le nombre de cours que vous voulez, la ville, l'école.
Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers Alex ou vers moi pour qu'on refasse un petit point par rapport à votre projet. Pour les gens qui sont à l'aise en anglais, qui pensent qu'ils ont un niveau suffisant pour trouver un boulot sur place, on a des packages sans cours aussi. Donc on a le premier package qui s'appelle le package Buyer Side avec du coup seulement nos services administratifs. On a le package Work and Explore Hostel avec nos services administratifs. Plus un logement en auberge de jeunesse, que ce soit une ou 2 semaines, ou encore, du coup, le package Work and Explore appartement qu'on propose qu'à Sydney en ce moment, avec tous les services Go Study, plus transfert de l'aéroport jusqu'à votre hébergement et 4 semaines en colocation, en chambre double dans un appartement tout équipé. Voilà un petit peu nous ce qu'on peut vous proposer. Après, on peut faire des devis vraiment personnalisés. À préciser, Périne, que ce sont les tarifs qui sont valables jusqu'à fin mars. C'est des promos qu'on a mis Exact. en place jusqu'à fin mars. Ouais, voilà. N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. N'hésitez pas à aller voir notre chaîne YouTube, à aller voir notre site internet, nos réseaux Instagram, Facebook. On a pas mal de témoignages dans le témoignage du coup de Louis que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Sur la droite, vous pouvez voir la photo de Alexandre. Qui a reçu du coup la certification à la fin de ses cours qu'il avait pris à Brisbane. C'est bien ça, du coup, Alex, que tu peux nous en dire un petit peu plus rapidement du coup sur cette Ouais, bah, expérience. tu vois que j'étais beau, j'étais jeune, hein, surtout, tu vois surtout ça, hein, mais c'est à la fin de mes 3 mois Alexis English à Brisbane, en fait, à chaque fois, il me donne une certification, moi, qui atteste de notre niveau. Enfin, c'est une petite évaluation. Et oui, c'était à la fin, donc ça, c'était ma classe. Vous voyez, quand je vous dis qu'on était à la fin, on était, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a un qui a pas voulu prendre la photo. Voilà, on était 11 dans la classe. Donc, on prouvait qu'on n'est pas beaucoup. Et ouais, donc, moi, super, honnêtement, super expérience, parce que voilà, ça vous permet, quand on arrive, de, au moins, on a un cap. On sait que pendant 3 mois, voilà, on va aller le matin à l'école, et au fur et à mesure, avec, moi, j'étais allé au bureau Go Study de Brisbane aussi, pour aller prendre des infos, pour me renseigner sur les jobs sur place. Donc, ça m'a, voilà, ça a vraiment permis de me caler pendant ces 3 premiers mois, voilà, me mettre un peu du décalage horaire, commencer à me faire à la vie australienne. Et voilà, donc les 3 mois, voilà, je me suis fait des super amis avec qui j'ai encore des contacts quand même. Voilà, ça fait 3 ans, ça date d'avril 2019. Donc je suis allé voir Perrine, c'est parti de là. Donc voilà, donc ça fait 3 ans que j'étais dans cette école-là. Donc super retour, prof adorable, disponible. On a besoin de quelque chose, un exercice supplémentaire, il est là. Et donc moi, après ces 3 mois d'école, je suis passé en ferme. Après les fermes, je suis parti à la baie de Corail faire de la plongée. J'ai visité Sydney, j'ai visité Perth. Et c'est après où je me suis vraiment établi à Melbourne, où j'ai bossé dans la construction, démolition. Et après, sur mon temps off, c'est là où j'en ai profité pour aller en Tasmanie, pour aller dormir dans le désert, et après profiter, bah, comme je disais, il y a beaucoup de festivals, beaucoup de choses comme ça à Melbourne, donc j'en ai pas mal profité, et je suis rentré, bon, à cause du Covid malheureusement, mais c'est ce qui m'a fait rentrer, j'ai quand même réussi à tenir un an, même si sur la fin ça a été un peu plus difficile, mais voilà, et tout au long quand même de ce voyage, je veux dire, j'ai commencé à Brisbane, j'ai fini à Melbourne. J'ai toujours été en contact avec quelqu'un de Go Study, quoi. Voilà, quand je suis arrivé à Melbourne, je suis allé voir Astrid, qui maintenant est à Perth. Et je suis allé voir Astrid et j'avais vraiment toutes les infos dont j'avais besoin, voilà, sur la ville, savoir un petit peu comment ça bougeait. Donc, voilà, je peux que recommander en tout cas cette expérience-là. Super, merci Alex. Bon, de rien. Donc voilà, la présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Elvire, notre collègue, a répondu, il me semble, à toutes les questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole directement ou écrire, si vous êtes un peu timide, vous pouvez écrire sur le chat. En chat pour ceux qui veulent. Après, de toute façon, vous allez recevoir un mail aussi qui va, voilà, récap un tout petit peu ce qu'on a dit. Et En effet, puis ce soir, vous allez recevoir un mail avec plein, plein d'informations, du coup, les offres aussi de Go Study, des informations par rapport au Working Holiday Visa.
comme le dit Elvire sur le chat, vous pouvez retrouver cette vidéo aussi. Vous pourrez retrouver cette vidéo en ligne sur YouTube très prochainement, si vous avez loupé le début ou que vous voulez revoir un petit peu des informations. Il n'y a pas de questions ? Si, moi, j'ai une question, du coup. Oui, bien sûr. Si on souhaite, du coup, prendre des cours d'anglais, ouais. Pour le logement, est-ce qu'on peut voir directement, enfin, en avance, en amont, avant d'arriver, même en étant déjà en France avec vous, pour trouver déjà un logement pendant la durée de nos cours en Australie? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du coup, Solène, il me semble qu'on est déjà en contact, oui, non? Oui, bien sûr. Oui, voilà. Ton nom me disait quelque chose. Alors oui, en effet, on pourra en rediscuter. On pourra s'appeler demain, si tu veux, par rapport à ça. Oui, nous, on a des partenariats avec des résidences étudiantes, avec des colocations aussi, des hébergeurs qui proposent des colocations. Donc, selon la ville que tu vas choisir, ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexandre, justement, nous, on préconise que vous bookiez en amont un logement parce que c'est un peu la crise en ce moment de l'immobilier. Donc, oui, oui, en effet. On le recommande fortement, d'ailleurs, de booker un hébergement avant le départ. Donc, on pourra voir ça ensemble, ouais, bien sûr. Ok, super, merci. Avec plaisir. Surtout, ne pas partir sans hébergement, c'est super important. Super important. Moi, j'ai une question pour Brisbane. Il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? Enfin, si on s'y prend genre un mois et demi avant, ça va? Avant d'arriver ou c'est court? Au logement, vous parlez? Pour le logement. C'est court. Ah, un peu, ouais. Surtout si le départ, c'est prévu pour le mois de septembre, octobre? Non, c'est prévu pour début juillet. Début juillet, ok. Parce que les grands départs, c'est septembre-octobre. Oui, il faut quand même, enfin franchement, on n'exagère pas. C'est vraiment très, très compliqué en ce moment en Australie pour tout ce qui est hébergement. Donc un mois et demi avant, c'est un petit peu court, ouais. Faut pas tarder. Là, c'est maintenant. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut quand même avoir. L'accord de l'université, enfin c'est pour mon fils, hein. Il faut avoir l'accord de l'université, le visa et tout ça pour s'occuper du logement, c'est ça? Oui, alors après, il y a des conditions d'annulation, on pourra voir ça ensemble. Vous êtes déjà en contact avec un de nous, du coup? Comment? Vous êtes déjà en contact avec… Avec Elvire. Avec Elvire, je crois. Avec Elvire, ouais. Ok. Ouais, okay. Oui, après, il y a des conditions d'annulation, hein, si jamais vous pourrez voir ça avec elle selon le logement… selon le logement que votre enfant va choisir, mais c'est vrai que il faut quand même anticiper, surtout en ce moment, hein, pour les logements. Et si c'est à l'université, pour avoir une chambre à l'université, c'est plus simple ou pas forcément? Une chambre directement à l'université? Oui. Alors ça, Elvire, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux répondre? Elvire, elle m'avait répondu. Moi, je suis là, je peux répondre. Ah, Elvire est devenue masculine d'un coup. toute l'équipe est là. Je regardais la fin. Je suis Benjamin. Je réponds juste par rapport à ça. En fait, ce n'est pas comme aux États-Unis. C'est très rare que sur les campus des universités, il y ait des chambres étudiants ou des petits studios. En fait, c'est très rare en Australie. Il n'y a que quelques universités qui le proposent. Et à Brisbane, je ne pense pas qu'ils le proposent. Donc, c'est pour ça qu'à côté, il y a des résidences étudiantes. Mmh. Par exemple, à Brisbane, vous avez Student One, où c'est des résidences qui sont faites que pour les étudiants. Il faut en fait montrer patte blanche et prouver qu'on est inscrit dans une école ou une université pour pouvoir prendre un hébergement dans ce type de logement. Donc, il faut qu'il attende d'être inscrit, j'imagine. C'est ça. Alors, oui, parce qu'il faut une preuve comme quoi vous êtes inscrit dans une université. Ouais. Un étudiant. D'accord. Voilà, et en fait, nous, juste, je rebondis là-dessus parce que c'est la crise de l'hébergement en Australie. On a décidé, avant on le faisait, mais on a décidé à partir de maintenant qu'on avait beaucoup trop de gens, on pré-réservait l'hébergement, etc. en amont, et après on n'avait plus de nouvelles. C'est-à-dire que maintenant, et c'est pour ça qu'il faut faire rapidement, à partir du moment où vous avez une confirmation d'inscription de l'université, on ne réserve un hébergement que quand on a une confirmation dans une école ou une université et que quand le visa est accordé. Ah voilà, ouais, donc ça veut dire que ce sera deux. Voilà, c'est chez nous. Après, vous pouvez voir avec Elvire, peut-être que l'université de votre fils, si j'ai bien compris, a un partenariat avec des résidences étudiantes sur place. Ah, ça, je ne sais pas. Ok. Voilà. Merci. De rien. Alors, j'avais une question par rapport au salaire en ferme solaire.
par rapport au salaire en ferme solaire. Alors, à mon avis, ça dépend vraiment de quelle ferme. Enfin, tu vois, chacun applique le tarif qu'il veut. Hein. Donc, très franchement, je n'aurais pas de fourchette à te donner. Je sais que c'est bien payé, mais alors après, combien ça... Tu as raison, Périne, c'est que ça va dépendre des fermes, pour le coup. Des fermes, des périodes, ça va dépendre de tout ça. Mmh. Ok. Merci. Thomas, je crois que tu avais une question. Tu avais levé la main. Oui, effectivement, c'était à propos de l'ABN. Oui. Ouais. Mais en fait, moi, je ne sais pas encore si je vais travailler sur Brisbane. Enfin, je vais faire des études sur Brisbane et je souhaite travailler à côté. Est-ce que ça serait mieux que je prépare l'ABN en France et que je fasse livreur là-bas, mais je ne suis pas sûr de faire livreur Uber Eats là-bas. Est-ce que c'est mieux d'anticiper ou ça prend beaucoup de temps sur place? Qu'est-ce que vous me conseillez pour ça? Moi, je vous conseille de le faire sur place, honnêtement, une fois au moins que tu es sûr d'être là-bas. Moi, je l'ai fait, l'ABN, ça s'est fait rapidement. Hein. Moi, j'ai fait du Uber Eats, c'est... Enfin, ABN, c'est vraiment quand tu es indépendant. Et moi, je l'ai fait, ça s'est super bien fait, quoi. Honnêtement, que tu fasses Uber Eats ou un autre truc, je veux dire. Hein. Mais moi, ça s'est bien fait. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, ça se fait bien. D'ailleurs, si tu passes avec nos services, Thomas, nos bureaux, nos conseillers sur place, ils pourront t'aider à le faire, d'ailleurs. Dans tous les cas, je rebondis, désolé, je ne devais pas participer à la réunion, mais dans tous les cas, un TFN et un ABN, on ne peut pas le créer tant qu'on n'est pas en Australie, quoi qu'il arrive. Il faut avoir traversé la frontière, c'est-à-dire que tu dois avoir un visa activé pour pouvoir créer ton ABN, donc Australian Business Number ou ton Tax File Number. Tu ne peux pas le faire à distance, malheureusement. Ok, ça marche. Et est-ce que ce numéro-là, après, il est reporté en France ou pas? Parce que je sais qu'en France, quand on a un statut d'auto-entrepreneur, on peut perdre des aides. Ils sont pas en Australie, restent en Australie. C'est pas relié. Ok, très bien. Ça marche, je vous remercie pour les réponses. Avec plaisir, Thomas. Et du coup, ces certificats, on les demande où en Australie? C'est un site internet? C'est une agence? C'est comment? En fait, il y a plein d'indépendants qui proposent ces formations-là. Donc ça, c'est les collègues, pareil, sur place, ils pourront t'aiguiller là-dessus. Tu tapes RSA, tu tapes RCG sur Internet, tu vas voir une myriade d'instituts qui le proposent. Donc, parfois, il y a des établissements, il y a des écoles qui proposent de le passer. Voilà, les collègues sur place pourront vraiment t'aider là-dessus, même te proposer de passer les formations à un coût un peu plus réduit. Ils proposent des réductions par rapport à ça. Et le Tax File Number, ça se demande directement sur Internet? Ouais, c'est sur Internet. Et ça, ma collègue ou mon collègue pourront le faire pour toi directement en Australie. Et comme on l'a répété, il faudra que tu sois sur place pour le demander. Et c'est une des premières choses qu'ils font. Moi, je me souviens, la première chose, quand je suis arrivé au bureau GoSuite Brisbane, honnêtement, arriver, faire connaissance, voilà, expliquer un petit peu. Et première chose qu'ils nous aident à faire, c'est faire le TFN. Clairement, je me souviens, c'est une des premières choses qu'on a fait ensemble au bureau GoStudy. Donc, comme ça, au moins, voilà, c'est la première chose qui est demandée au niveau administratif, au moins pour chercher du travail. Parce que comme l'a écrit Elvire dans le chat tout à l'heure, une fois la demande effectuée, en fait, ça prend un certain temps pour être accordé, à peu près un mois. Donc, en général, quand même, les employeurs, ils savent bien que ça met un moment à être accordé. Donc, normalement, vous pouvez déjà commencer à bosser sans le TFN. Voilà, c'est pour ça qu'on le demande assez rapidement quand vous arrivez. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le visa, ça, il se fait en combien de temps? C'est long ou c'est pas long ou... Alors, c'est un working holiday visa du coup? Non, c'est étudiant. Ah, alors, visa étudiant, on peut faire la demande 4 mois avant la date de rentrée. Et à partir du moment où vous allez payer le visa, je pense qu'Elvire, elle a dû vous en parler, il faudra monter, enfin que votre fils monte à Paris pour faire un test biométrique. Et quand l'immigration aura du coup tout le dossier de votre fils plus son test biométrique, ils vont traiter la demande. Alors, la demande peut être traitée en un jour comme en 3 mois. C'est vraiment hyper aléatoire. On ne sait pas, enfin, on n'a pas de visibilité par rapport à ça, malheureusement. Au niveau de l'immigration, ça peut prendre un certain temps, comme ça peut être très rapide. Mais alors là, du coup, c'est sur un visa étudiant. Nous, on parlait du Working Holiday Visa, je parle pour les autres. Le Working Holiday Visa, en l'occurrence, lui, est assez rapide à avoir. La demande est
plus simple. Il ne faut pas monter à Paris pour faire ce test biométrique dont je viens de parler. Et en général, il est validé sous 48 heures. Des fois, ça peut prendre un peu plus longtemps. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais en général, c'est quand même validé assez rapidement. Ah oui, c'est rapide. Ouais. Mathieu, tu as levé la main ? Yes, bonjour. Merci pour votre présentation, Alexandre et Pauline. Salut. Vous avez parlé de plusieurs packs dans votre présentation, mais également que votre accompagnement était gratuit. Donc, j'ai pas bien compris la nuance entre les deux. Alors, en fait, si tu veux, à partir du moment où tu prends des cours dans une de nos écoles partenaires, en fait, nous, on est complètement transparent par rapport à ça. On est financé par les écoles qui sont nos partenaires. Yes. Donc, à partir du moment où tu prends des cours dans une de nos écoles partenaires… Ouais, c'est plutôt vers ça que je vais. Ouais. Voilà. Tu as l'accès à nos services gratuitement quand tu prends plus de 2 mois de cours. 2 mois de cours ou plus. OK. Pour les gens qui ne veulent pas étudier, en fait, pour t'expliquer, à la base, c'est vraiment notre corps de métier. On est vraiment spécialiste de tout ce qui est éducation en Australie. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui voulaient quand même passer par nos services, mais sans prendre de cours. Donc, on a mis des packages avec seulement nos services administratifs. Ouais, et là, pour le coup, qui sont payants parce que sinon, nous, on n'est pas rémunérés par les écoles. Ah oui, bien sûr. Voilà. OK, ça va. C'est plus clair. Oui, c'est très clair. Merci. OK. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? Je n'ai pas vu si ça avait levé la main. Je ne suis pas sûre. Je regarde dans le chat. Je vois que Benjamin a répondu. Merci, Ben. Dernière question. Bonjour, veuillez m'excuser, je prends un cours, mais y a-t-il des possibilités d'avoir copie PDF de votre conf? Alors, ne vous inquiétez pas, on est enregistré en fait, donc vous pourrez retrouver la vidéo directement sur YouTube. Tout sera disponible à partir de demain. Voilà. Mathieu. Yes, à nouveau. On t'écoute. J'hésite beaucoup entre les cours du soir et les cours du jour. Parce que j'aimerais bien travailler dans la construction en journée, peut-être aller au cours du soir, mais j'ai l'impression que je vais rater quelque chose en allant au cours du soir et pas au cours du jour. Alors, en général, nous, ce qu'on conseille, c'est de partir sur des cours du jour. Ouais. Parce que les types de boulot que tu vas trouver, ça va être certainement du coup en soirée. Alors, dans la construction, ça va dépendre des horaires. En tout cas, sache que si tu commences par des cours du jour et que tu te rends compte que finalement, tu veux switcher sur des cours du soir selon les places disponibles, ça sera normalement possible. OK. Mais Alex, par exemple, tu vois, tu prenais des cours du matin, toi, c'est ça, Alex, et tu t'arrivais à mixer avec ton job? Ah oui, totalement. Oui, les deux étaient totalement compatibles. Et moi, j'avais même une collègue qui, elle, a bossé à 4 heures du matin. Elle allait faire le ménage dans les universités. Et après, elle allait en cours. Et donc après, elle se reposait l'après-midi. Mais elle arrivait totalement avec les deux. Enfin, je veux dire, moi aussi. Et puis, comme je disais, honnêtement, dans les écoles, il y a énormément de gens qui bossent, parce qu'il y a beaucoup qui sont là-bas en visite étudiant. Donc, il y en a beaucoup qui bossent et qui arrivent à mêler les deux sans souci. Quoi. Je veux dire, j'ai vu personne, moi, sur les tables, comme ça, dormir, tu vois. Ouais, c'est pas tellement d'avoir du mal à mêler les deux, c'est juste que le soir, j'ai l'impression que je vais être cantonné à certaines tâches du style barman, plonge, serveur, etc. Et j'aurais voulu bosser un peu dans la construction où j'apprendrais plus de choses que dans l'horeca, puisqu'en tant qu'étudiant, ici, j'ai déjà beaucoup bossé dans l'horeca. Ouais. Et j'ai eu ma dose, on va dire. Ouais, alors après, ça peut être aussi, tu peux très bien, je vais te dire, disons que tu veux prendre 3 mois d'école, tu peux aussi commencer soit par le matin, toi comme Zipping, commencer par le matin, voir si tu arrives à trouver un taf qui va très bien avec l'après-midi ou le soir. Ouais. Et si jamais tu ne trouves pas, mais que tu trouves un boulot qui commence le matin, et ben tu switches, si elle est dispo, switcher, passer en cours du soir et puis prendre ce taf le matin. Toi, il y en a, tu sais, qui vont bosser dans les cafés, tu sais, enfin les cafés. Café, vraiment aussi le vrai café, tu sais, le barista et choses comme ça. Ouais. Donc, ça, c'est le matin. Toi, c'est du 7h, 11h, par exemple. Et puis après, donc plutôt prendre les cours l'après-midi. Donc, toi, tu switches. Ouais. Alors, si tu peux switcher entre les deux, c'est bien. Ouais. On met juste en garde parce que normalement, la visio est prévue pour 1 heure. Ne vous inquiétez pas si ça coupe au bout d'un moment, c'est qu'on est passé au bout d'une heure. Voilà, je mets juste en garde là-dessus. Ça marche, merci pour vos réponses. Bah, de rien. De rien, Mathieu, de toute façon, on était au courant, on est tous les deux. Donc, ouais, on est en contact. Merci. Après, je voulais juste rajouter un petit truc, Mathieu, par rapport à ça. Les employeurs, ils savent très bien aussi qu'il y a pas mal d'étudiants qui prennent des cours. Ouais. Qui prennent des cours. Enfin, qu'il y a pas mal de personnes qui viennent bosser en working holiday visa qui prennent des cours. Donc, ils sont flexibles aussi. Ouais, ils sont compréhensifs. OK.
Ça marche, merci. Aurore, dans les cours proposés, je suppose qu'on apprend l'anglais australien. Est-ce qu'on utilise différents accents trouvés en Australie? J'ai eu vent de la difficulté de l'anglais du bush et je m'inquiète un peu pour ça. Alors, tu sais que figure-toi que, vu que moi j'ai appris l'anglais en Australie, je comprends mieux l'anglais australien que l'anglais des Anglais ou anglais américain. Du coup, voilà, c'est quelque chose à. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué au départ. Comme le dit Ben, ouais, il y a des écoles qui proposent des cours axés justement sur le slang australien parce qu'ils ont des expressions quand même qui sont bien à eux. Donc on a des écoles qui proposent ouais, ce genre de choses. Sinon après, c'est vraiment de l'anglais général. J'avais une option, moi, comme ça. C'était une option, je sais plus, c'était 1 heure par semaine, Alexis, où il nous parlait en slang et ouais, on était confrontés à leur accent pur. Et je me souviens quand il nous disait, bon, à partir de maintenant, je vais plus être pareil. Et crac, il mettait l'accent australien. Et là, oh, au début, t'es pas prêt. Mais c'est plutôt sympa. Ouais. Il y a des écoles qui proposent ça. Est-ce qu'on a... Ah, Jessie, peut-être que tu avais une question? Oui, j'avais une question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien déjà. Ouais, Très bien. on t'entend. Ok. En fait, moi, je souhaitais partir fin septembre. Et je sais que vous avez dit qu'il y avait beaucoup de monde qui partait en septembre. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment enfin, le bon moment pour partir ou pas? Bah, alors après, en termes de saison, c'est le début de l'été. Donc ça, c'est plutôt cool. D'accord. Quand c'est l'été ici, c'est l'hiver là-bas et vice-versa. Oui. Après, on a beaucoup de départs au mois de septembre. Pourquoi? Parce que ça, c'est par rapport au système scolaire français. Tu sais, en général, on finit les cours au mois de juin, on bosse juillet, août, mettre l'argent de côté, et après, on part en septembre en Australie. Après, tu pars concrètement quand tu veux. Il n'y a pas de. D'accord. Moi, je comptais partir à Sydney avec le Working Holiday Visa. Mais en Oui. fait, c'était vraiment une question que je me posais parce que je sais que, bon, après, ça n'a rien à voir, mais en France, c'est vrai que pour travailler, c'est mieux d'arriver un petit peu avant l'été pour trouver une bonne saison pour faire l'été. Mais est-ce qu'en Australie, c'est pas pareil, forcément? Je veux dire, par exemple, si je veux travailler en service, les patrons, ils peuvent nous prendre soit en début de l'été comme en plein milieu de l'été, les Ah chômeurs. oui, il n'y a pas vraiment de. C'est pas comme en France où ils prennent à partir de mai jusqu'à septembre, Non, peut-être. pas forcément. En fait, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes et beaucoup de turnover en Australie. C'est-à-dire Énormément, que tout le monde bouge tout le temps. Donc, il y aura des offres un peu tout le temps. Hein. D'accord, ben merci, c'était tout ce que je voulais savoir. Et Avec merci pour votre présentation. plaisir. Merci, Jessie. Est-ce qu'on a d'autres questions pour le certi? Ok, Ben a répondu. On peut faire la demande avant le départ sur place et sur place uniquement. Yeah, c'est pour l'assertif, ça, ouais. Oui, on a vu ça Je ensemble. voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au WWCC. C'est un certificat qui permet énormément de travailler avec les enfants que certains employeurs peuvent demander. Si vous faites votre visa working holiday tout seul, c'est-à-dire que vous faites l'application, ne mettez jamais que vous allez vouloir travailler avec les enfants parce qu'ils vont automatiquement vous demander une visite médicale qui sera à faire en France, à Bordeaux, à Nice ou à Paris. Donc, si vous habitez loin, c'est un peu compliqué. La visite médicale coûte aux alentours de 300 euros. Donc, évitez de mettre que vous voulez travailler avec les enfants. Vous mettez que vous voulez travailler dans la restauration et ça passera tout seul. Voilà. Merci Ben. Thomas? Oui, j'ai une dernière Oui, question. C'est actuellement sur les tensions sur le marché de l'emploi. J'ai actuellement une amie qui est partie avec vous, qui était sur Sydney. Elle a un peu voyagé. Maintenant, elle est sur Adélaïde. Ouais. Elle a un peu du mal à trouver du boulot. Alors, est-ce que c'est juste pour son cas ou c'est un peu le cas un peu partout en Australie en ce moment? Vu qu'il y a de plus en plus de Français, elle a du mal à trouver du boulot. Ben en fait, il y a eu un gros boom, surtout après le Covid, là, quand ils ont ouvert les frontières. Il y a beaucoup, beaucoup, du coup, il y a eu beaucoup de départs. Après, le marché du travail en Australie, c'est un peu comme Il ça dépend des fluctue. périodes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut vraiment rester motivé, balancer son CV. Comme l'a dit Alex tout à l'heure, ne pas hésiter à s'excentrer un petit peu, rester à Sydney dans le CBD, ben franchement, c'est compliqué quoi de trouver un boulot vu que tout le monde cherche au même endroit. Donc il y a des petites techniques comme ça. Si elle est partie avec nos services, si elle est partie avec nos services, elle peut aller voir nos bureaux aussi pour qu'on puisse lui redonner des conseils, lui redonner des tips pour qu'elle puisse trouver un boulot sur place. Ouais. Ok, très bien, je lui passerai le mot, c'est ce qu'elle m'a dit au téléphone hier, elle m'a dit
une semaine que je dépose des CV qu'elle n'a rien. Ouais, bon, après une semaine, voilà, il faut rester motivé, continuer à balancer, il y a bien quelque chose qui va tomber. Et après, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas rechigner avec des petits boulots saisonniers, comme je disais, par exemple, moi, je faisais du ménage, j'ai ma collègue Elvire qui nettoyait des voitures, voilà, et c'est vraiment, il ne faut pas rechigner à faire des petits boulots parce que ça paye bien en Australie et ça permet derrière de faire de superbes choses et de voyager à travers toute l'Australie. Ok, c'est très bien. Je rebondis, c'est vrai que Perrine a entièrement raison, ça va vraiment dépendre des gens, ça va dépendre du moment, mais je dis toujours que tu as une sorte de facteur chance aussi. C'est-à-dire que si tu arrives, je dis n'importe quoi, si tu arrives dans le resto, que voilà, le gars vient de partir, bah, tu as ça aussi. Moi, je vais prendre l'exemple, j'ai des étudiants, donc j'ai une étudiante qui est partie là il y a un mois, qui a pris des cours. Elle a trouvé, donc j'ai eu papa au téléphone là, il m'a appelé aujourd'hui. Elle a trouvé un boulot dans un resto, comme il y a des personnes qui sont parties au même moment qu'elle, qui n'ont pas encore trouvé. Alors après, voilà, c'est pareil, je ne sais pas si les personnes envoient leur CV tous les jours, s'il y a la même motivation. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs aussi. Donc ça va dépendre des personnes. Tu as des personnes, tous les jours, elles vont se lever, elles vont aller dans des agences d'intérim aussi, elles vont checker Indeed, elles vont checker Gumtree. Voilà, elles vont vraiment y aller et ça va payer. Quand il y en a d'autres aussi, voilà, qui, ils vous envoient un CV de temps en temps. Voilà, faut pas hésiter, faut toujours garder la motivation. Le plus dur, c'est de garder la motivation. Voilà, de se dire, okay. Allez, j'y vais, j'ai rien eu, j'y vais. Mais voilà, donc, donne-lui de la bonne vibe, à la limite, envoie-lui de la vibe positive. Voilà, elle va trouver, il n'y a pas de raison, elle va trouver. Voilà, au bout d'un moment, ça va se décanter. Car regarde aussi, les gens sont beaucoup actifs sur tout ce qui est les groupes Facebook également. Donc voilà, et comme disait Perrine, elle a raison, autant qu'elle va voir, c'est Dorian, notre super collègue qui est là-bas. Donc autant qu'elle aille le voir, éventuellement pour voilà, donner un petit coup de boost, redonner les quelques tips, et elle va trouver, il n'y a pas de raison. Ok, très bien. Comme disait Alex, il y a des tips qui sont... Mais c'est un peu... C'est... du bon sens, en fait. Quand on arrive dans un resto, il faut demander, par exemple, direct à aller parler au manager. Il ne faut pas donner son CV aux collègues, parce que pour les collègues, tu peux être un nouveau va arriver, je vais avoir moins d'heures, ça peut être un peu de la concurrence, en gros. Donc, il y a plein de petits tips comme ça que nos bureaux sur place, nos collègues, en fait, sur place, vont vous donner quand vous allez arriver en Australie. On va vous donner en fait des outils, des clés pour réussir à trouver un travail. Après, ce sera motivation et le big smile, comme on a dit, positivité et le niveau d'anglais. Ok, et j'ai une dernière petite question. Est-ce que l'alternance, c'est reconnu là-bas? Parce que moi, je suis en alternance depuis mes 15 ans. Je suis en 8e année d'alternance. Est-ce que c'est reconnu? C'est-à-dire reconnu. Est-ce qu'ils proposent de l'alternance? Est-ce qu'ils savent ce que c'est en fait? Est-ce qu'eux, ils savent pas ce que c'est? Non. C'est une alternance, c'est tout simplement, c'est une expérience professionnelle. Donc, tu as travaillé tout simplement sur ton CV. Oui. Donc, tu le mets tout simplement, tu n'as pas à mettre forcément alternance, tu mets que tu as travaillé. Ah, j'avais pas compris ta question, pardon, Thomas. Ah non, mais il n'y a pas de problème. Ah oui, oui. Non, tu mets sur ton CV, même si c'est en alternance, c'est que ça peut être alterné à mi-temps ou autre, 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école ou un mois en entreprise, une semaine à l'école, ça ne les regarde pas. Tu mets tes dates sur ton CV en fonction de quand à quand tu vas travailler. Après, c'est à toi de te vendre en fonction de ton expérience. Oh, ok, ça marche très bien. Ok, merci pour les informations. Avec plaisir, Thomas. Jessie, tu avais une question? Oui, j'avais une dernière question, désolée. Je voulais savoir, parce que du coup, c'est vrai que je suppose pour travailler en ferme, les fermes, elles sont quand même éloignées des villes. Comment trouver les bonnes fermes? Enfin, je sais qu'il doit y avoir beaucoup de fermes, mais comment les trouver en fait? Alors là, c'est le réseau. Il n'y a rien d'autre. Franchement, c'est vraiment le réseau que tu vas te créer sur place parce que vraiment, les arnaques, les fermiers qui sont... parce qu'il y en a des fermiers qui sont très difficiles. Il faut vraiment que tu prennes un maximum d'informations quand tu es sur place par rapport aux fermes. Si je peux rajouter une chose, Perrine, excuse-moi, j'aime bien interrompre. Mais on est en train de travailler. Déjà, on a un guide sur le travail en ferme pour commencer. J'allais le dire. Voilà, déjà, on a un guide. Et en plus de ça, on est en train de travailler sur un guide avec des adresses de fermes fiables. D'accord. Et j'avais une autre question. Jamais vous passez par nous, bien évidemment. D'accord. Et j'avais une autre question avec les fermes. C'est quand les meilleurs. Enfin, est-ce qu'il y a des moments où c'est que les fermes ne vont pas du tout travailler, comme l'hiver, par exemple, ou pas? Où il y aura toujours des opportunités d'emploi dans les fermes? En fait, si tu veux, l'Australie, tu peux faire un cycle limite en fonction de la saisonnalité des fruits.
Donc, clairement, en fait, voilà, tu peux aller aussi en Tasmanie. Il y en a qui sont partis faire de la récupérer de la cerise en Tasmanie, d'autres qui sont partis dans le nord. En fait, tu peux faire un cycle. Moi, honnêtement, quand j'ai fait mes fermes, c'était, si je te dis pas de bêtises, juin, juillet, août. C'était l'hiver là-bas. Mais c'était l'hiver dans le Queensland. Donc, il faisait beau, tu vois. J'ai ramassé du chou-fleur. Je faisais de. J'étais avec après sur du brocoli. Et pourtant, c'était l'hiver. Donc, en fait, clairement, tu peux faire un cycle toute l'année. Tu as une saisonnalité des fruits. Y a beaucoup de sites qui retracent ça. Donc, tu peux quasiment faire ça toute l'année, quoi. Moi, je te dis, j'étais en hiver. Clairement, j'ai fait ça sur les créneaux d'hiver. Et j'ai trouvé du travail. J'avais une dernière question qui n'a rien à voir et que d'ailleurs vous n'en avez pas parlé, c'est par rapport, est-ce qu'il y a des vaccins obligatoires à avoir pour aller en Australie? Non. Il n'y en a D'accord. pas. Il n'y en a pas. Après, ce qu'on conseille quand même, c'est ce qui peut être sympa quand vous allez en Australie, c'est de faire des stops en Asie, en Indonésie. Et là, c'est quand même bien de refaire un check-up. Et on n'en a pas parlé, mais c'est quand même bien de faire un check-up du coup, ben, pas que des vaccins, mais aussi du dentiste. Comme ça, quand vous êtes un Oui. an tranquille, pour nous les filles chez Génico, voilà, faire un gros check-up, comme ça vous partez et vous êtes tranquille. Mais il n'y a pas de vaccin obligatoire du coup pour aller en Australie, non. D'accord, ça Et marche. si je peux rebondir, parce que on n'a plus les questions, mais je sais que ça n'est, j'ai encore eu la question il n'y a pas très longtemps, que ce soit, on me pose aussi cette question-là par rapport au Covid, plus rien n'est demandé en Australie pour rentrer en Australie vis-à-vis du Covid. C'est-à-dire que, alors, moi, j'étais en Australie là au mois de janvier, donc je peux vous dire très clairement, on rentre comme avant. Enfin, je veux dire, on m'a juste demandé mon passeport, le petit papier jaune par rapport à tout ce qui est biologique. On ne m'a rien demandé d'autre par rapport au vaccin, quoi, par rapport au Covid, je veux dire. Alors aujourd'hui, peut-être que si ça repart plein fer, peut-être qu'ils vont demander quelque chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai Voilà, qu'ils c'est à demandent l'heure rien. actuelle, quoi. C'est maintenant. Maintenant, ça se passe comme ça. Et c'était quoi le petit papier jaune que tu as parlé Alors ça c'est un. En fait, l'Australie veut tellement se préserver de tout ce qui est biologique. En gros, tu remplis un petit questionnaire qui était distribué dans l'avion quand tu arrives. Ce sont des questions du style, est-ce que donc de quel pays tu viens, où est-ce que tu vas dormir, avec quel visa tu arrives. Et après, ils sont très à cheval sur tout ce qui est santé et biologique. Donc savoir est-ce que tu comportes, est-ce que tu as dans ton sac de la nourriture comme des fruits, des légumes. En gros, tout ce qui pourrait apporter des maladies en Australie. C'est pas dur, ils sont Ah, c'est tellement. comme dans les missions douanes de surveillance. C'est exactement ça, c'est tout à fait ça. Et comme ils Ça disent dans marche. l'avion, tu vas dans l'avion, je l'avais pas la première fois, là je l'ai eu dans l'avion, donc ils disaient la phrase, c'est vaut mieux déclarer que demander pardon. D'accord. Ils te diront ça. Donc faut pas hésiter à déclarer, que ce soit des médicaments, que ce soit des choses comme ça. Il n'y a rien de méchant, ils vont juste demander. Moi j'y suis allé, alors pour être honnête, avant je revenais de Thaïlande, donc avez-vous eu des animaux sauvages? Bah ouais, je me suis baigné avec les éléphants, donc tu m'étonnes. Donc forcément j'ai mis ça, tu arrives, tu expliques, donc d'accord, est-ce que vous avez quelque chose avec de la poussière, etc. T'expliques, ils disent oui, ils disent non, et après ils te laissent rentrer. De toute façon, il n'y a pas, voilà, il faut pas avoir peur avec ça. Enfin, clairement, il n'y a D'accord. pas, voilà, faut pas hésiter à déclarer, ça se fait très bien. Pour avoir fait Merci ça très bien. beaucoup. Mathieu? Yes. Je voulais savoir, en plus de l'assurance santé qu'il faut contracter, est-ce que la carte Medicare est obligatoire? Ah, t'es de quelle nationalité, toi, Mathieu? Belge. Belge. D'accord. Alors, pour les Belges, je pense que tu es couvert, Benji. Oui. Je Non. sais que pour le visa étudiant, alors le Non, alors ça working. dépend sur quel type de visa tu parles. Désolé de te couper, après tu vas me Il dire que part c'est sur pour le le Working Holiday Working Visa. Holiday. Pour le Working Holiday Visa. Working Holiday, il est toujours conseillé de prendre une assurance complémentaire. Pourquoi? Parce que Medicare, tu as une réciprocité avec le système médical en Belgique, d'accord? Ouais. Tu peux te servir, mais ça ne va pas te protéger contre certaines modalités. Donc, il faut OK. revoir exactement qu'est-ce que ça comprend Medicare en Australie de ton côté et peut-être prendre, on va dire, une complémentaire. C'est ça en complémentaire, ouais. Voilà, qui va couvrir peut-être le rapatriement, le décès, etc., que ne va pas couvrir Medicare. Parce que nous, en OK. France, on a le cas, les gens qui partent en visa étudiant, par exemple, ils sont obligés de souscrire une assurance étudiante obligatoire qui s'appelle l'OSHC, alors que les Belges ne sont pas obligés parce que justement, il y a cette réciprocité au niveau du médical entre l'Australie et les Belgiques. Mais derrière cette assurance étudiante obligatoire, elle ne couvre pas tout. C'est pour ça qu'on leur demande aussi, on leur oblige pas, rien d'obligatoire, mais de Ouais. prendre une complémentaire. C'est ça. Mais donc, en prenant chaque cas, par exemple, je ne suis pas forcément obligé d'aller chercher une Medicare. Non, pas du tout, pas du tout. Mais après, en fait, Ouais, je vois. Medicare, ta carte Medicare, elle marchera en fait en Australie, quoi qu'il arrive. Mais le CHAPKA, si tu prends CHAPKA, nous, on a 5% de réduction. Derrière, ben, ça couvre tout, quoi.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pour éviter de payer deux Oui, tout assurances à fait, en ouais. même temps, en parallèle. Donc, OK, donc en prenant une assurance type Chapka, Tout à fait. c'est pas nécessaire que je prenne la Medicare. Pas forcément, ouais. OK, ça À marche, donc je suis comparer couvert. du coup, Mathieu. Ouais, Ouais. compare, regarde bien juste les conditions. Ouais, OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ce que j'ai demandé. Aurore, du coup, je t'ai mis un petit lien où tu pourras checker, il y a plus d'infos par rapport au second visa. Ah oui, aux Sur AREA et aux emplois valables, c'est ça? ouais. Ouais, j'ai Bon, mais appris, s'il n'y a pas d'autres questions. j'ai une fille qui a bossé dans un abattoir et ça a compté pour son Parce que visa. c'était certainement un régional AREA. Totalement, totalement, Donc madame. voilà, je vous ai mis le Absolument. link là, je vous ai mis le lien si vous voulez voir tous les boulots qui comptent pour le second visa, parce qu'il n'y a pas que les fermes. Ouais, totalement. Moi, Bon, s'il bah n'y a plus écoutez. de questions, en tout cas, on va vous remercier. Merci, Merci à tous. d'avoir participé, d'être intervenu aussi. C'était sympa de, voilà, d'avoir échangé un peu. Vous allez recevoir du coup un mail ce soir, comme on vous disait, avec tout récapitulé. C'est ça. Et voilà, vous devez être déjà en contact soit avec Alex, soit avec moi. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Nous, on vous contactera voir si tout a été clair et si vous avez d'autres questions. Et voilà, on Une vous souhaite excellente une très soirée. bonne soirée et à très bientôt. À bientôt, bonne soirée à tous. Bonne Bonne soirée, soirée, merci. merci, au revoir. Merci, bonne soirée. Merci.